Ce matin, on avait fait comme en Chine, on avait convoqué le banc et l'arrière-banc des dignitaires locaux pour réveiller le dragon. Un réveil en douceur et on s'est tous écartés pour laisser sortir la bête. Et là, la pluie. Ou alors un éternuement de dragon, on n'a pas su. Toujours est-il qu'on s'est tous retrouvés trempés. Mais on est restés subjugués par Longma. En vrai, c'est waouh ! Merveilleux, 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 que du rêve. Même quand on est adulte, ça marche. Ah mais ouais, bah oui. C'est fou, ah ouais. C'est génial. Moi, je suis comme un gosse, là, vraiment. Je suis... T'as pleuré, vraiment. Qu'est-ce qui te plaît le plus ? Quand il a jeté de la fumée avec ses narines. Il est magnifique. Ouais. On a pris la saucée, mais bon, il est magnifique. Ça valait le coup quand même. Dilemme, regarder ou prendre des photos. Vous avez pris combien de photos ? 350 déjà. Ce matin ? Oui, ce matin, oui. Mais c'est un peu débile, hein, mais c'est comme ça. Il faudra s'y faire, Longma est chinoise et repartira un jour. Elle reste sur Nantes encore quelques temps, mais après ce mois d'août, elle ne sortira que si on la paye. Avis aux sponsors. On a beau être dragon, on garde les pieds sur terre.